Bonjour, bon dimanche, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux, et surtout sur la télévision numérique, vous êtes en train de nous suivre. Vous savez, désormais, CCTV est déjà sur TNT, donc il suffit d'avoir votre décodeur et vous allez nous suivre sans problème. Remerciement à vous qui nous écrivez régulièrement et surtout aussi à vous qui avez l'habitude de nous prodiguer des conseils, des suggestions, des propositions. Merci à vous et surtout à Monsieur Lutumba, Boss Lutumba, chez les boss. Bien des bonnes choses à vous. Bon dimanche à vous, l'homme qui aime aussi la culture. Merci à Moron Jamé qui réalise cette émission. Merci à Bruno Nzinga, l'exploitation. Merci à Urbain Kanyama, les cerveaux blés, du côté de la radio, parce que vous nous suivez à la télé et vous nous écoutez à la radio Liberté Kinshasa sur FM 96.8 MHz. Si vous avez des questions à nous poser, à poser à notre invité qu'on va recevoir, il suffit de composer les 089-61-52-634. Par ce numéro, nous aurons la facilité de pouvoir lire vos questions et l'invité pourra répondre. Merci à Jacques Ondenga, lui qui assure, il est à la régie d'antenne. Voilà, c'est très bien. Allez, déjà, aujourd'hui on va parler culture et aujourd'hui on cherchera des voies et moyens pour permettre aux artistes de pouvoir vivre à partir de leurs réalisations, de leurs œuvres. Et surtout, on a fait appel à un homme qui aime la culture aussi, bien qu'il est député. Actuellement, il est député. Mais c'est un homme de la culture. Donc, Bouibi Malam, son atteint à Kombo, Bouibi Malamoko, Alingape Moussala, Ados Ndombasi, honorable député national, Touzouapena, Tanaye, pour tout ce qui est de la culture. Hein, donc, ni Togo Sala, pour culture en gros, et qu'on a coqué Liboso, après Togo Fana Pena, le domaine Oyo, il y a Pandikona Bissou, artiste, ni Togo Sala pour Nabango, Ados Ndombasi, honorable. Bon. Bien, Rico. Santé d'Aki Togo. Ça va, Ndambos. Ben, lecteur, tu vas bien. En tout cas, je leur souhaite la meilleure santé. Alors, la meilleure santé, Oyibi, Olega Tarawa, Yo, Najan Gouba. Najan Gouba, ouais, tout à fait. Voilà, bah, c'est la campagne. La campagne, ouais. Ouais, ouais. Tant au Bini, aux hommes à tout à fait, tout à fait. Mais, la Navi, quand même, un mot pour la bateau, la Nara et Michel Salaga, la période de la campagne, et maintenant, Baïdi de Komi, député, et nous, nous avons la Bango Sikao. Ben, je tiens à te remercier, personnellement, d'abord, Yumoko Doudou Moutiri, pour l'accompagnement au Salagi Bisso, la campagne, avec merci. Bien sûr Koulutunanga et Jean Goubal. Malheureusement, Marmoui Salami, après la cour constitutionnelle, bon. Je lui souhaite beaucoup de courage et puis à l'embatté. Nous allons continuer ce combat. Donc merci beaucoup Nayo. Merci aussi Naba téléspectateurs et à CCTV. Naba auditeur à Radio Liberté. Naba auditeur, tout ça. Les personnes au Poni, au Bosalichou Anabino sur ma personne. En tout cas, un grand merci du fond du cœur. Je vous serai reconnaissant. Et la seule manière d'être reconnaissant vers vous, Isali, côté Labino, travailler pour vous, parler pour vous, dénoncer. Au niveau, il y a parlement pour que bah, Poto améliore bien sûr le quotidien, il y a bah, congolais. Très bien. Bon, je vais vous dire, c'est la campagne Lambo. Si vous, campagne, si là, au comment député, au continuer Lambo, au Lembaonté. Tiens, non, Lembaonté, je sais que je suis là, je suis là, je parlement. Même si tu es dans ma tarali, je suis là, je suis là, je et là comme je te l'avais dit, Nikonangai, ils allaient symbole et à travail. Ils allaient symbole à travail. Ils allaient symbole à humilité. Il est important aujourd'hui de changer de manière d'habituer à la politique Namboko. Tout ce cas politique, il y a français, moulaï, français et belé. Moussala et Zalande Mingi. Français belé, Moussala Mouké. Moussala et Zalande Mingi. Au moment Mingi, Mingi, Bissou, bah, politicien. Tolingi, Kota Moulana, bah, Jeep climatisé. Bah, bureau climatisé. Mais Moussala, ils étaient. T'as là bien Kinshasa, Ningezali. T'as là comment le Congo est. Oui. Négonanga, Moka, ou Etonga matin. Peut-être ceux qui m'ont Etonga matin, ou Etonga matin, 5 ou 10%. Moussala, Ezali, à Osalam. Et où il faut tout ça là. Y'a où j'avais décidé. Nala, t'es là-bas, ou parce que Elama, ou est interpellé à rappeler à député Moussous. Très bien. Bah, tout n'a rien. Y'a pour la t'es là-bas, ou quoi, nous. Nabi, ça va encore humilité, travail, tout m'y quitte ça. Moussala, Ezali, Bosso. Mon frère.
tendre ça la moussala, tant que tu président Mokoko a ni au sala boulot, tu verras que les choses vont changer en République démocratique du Congo. Dans la boca Moko, normalement, avec tous les problèmes que nous avons en RDC, le problème à Nzala par exemple, et l'homme Congo est comme un Moko, tout ça à Nzala. Tu as un problème, tu as insécurité alimentaire. Tu as 15 millions de Congolais, tu as 15 millions de Congolais, tu as 15 millions de Congolais. Congo Brazza Pamba, Congo Brazza Mobimba, tu as 4 700 000 personnes. Congo Brazza Mobimba, 4 700 000 personnes. Ce qui est Gabon, tu as 3 millions, 2 millions 500, 3 millions de personnes. Mais tu as 15 millions de Congolais, tu as 15 millions de Congolais. Comment est-ce que tu roules Fanzala dans un pays si riche, un pays béni, au bois qui m'a déçu, c'est Boyeboti. Au lieu d'une dunda Boyeboti, au bois qui me ponou et boti. Donc, normalement, ce qui l'état, et bien, c'est la moussala réellement, tout le monde qui a engagé Batou, c'est la Babilanga, pour que Congolais a fait son zalati. Tout le monde qui a engagé Batou, ma pêcheur, tout le qui va bateau, pour te couper Fanzalati, la carte à Congo, tu as mis la carte à maille. Voilà un tout petit peu message Nazaré Nango. Voilà. Nous devons travailler. Banzela, il faut ça la main. Tous les jours. Bah, école, il faut ton gama. Bah, hôpital, il faut ton gama. Mais il faut avoir la vision nécessaire pour cela, en fait. Il faut avoir la vision nécessaire pour arriver à tout ce que vous dites là. Et na tenir qu'en fait, Blondinga, la monnaie, te rappeler le numéro, là, auditeur, il y a Ralik. 96.8 MHz, là, on va t'exploiter la biseau, on va noter la biseau. Le numéro est allé plus 243-89-61-52-634. Plus 243-89-61-52-634. Thème, ils ont manqué. Politique culturelle, on a favorable pour la couvre émerger, culture la biseau. Pour la couvre permettre, la bateau, acteur culturel, la couvre accueillir, bah. Pour gagner et surtout pour faire une artiste pour vivre dans le salon à Bango. Et on est trop bête à cette honorable. Comment honorable ça? Honorable. Ben, non, coupé, non, monsieur Ados, non, bah, il n'y a pas de souci. Vous êtes à l'aise, là, honorable? Il n'y a pas de souci. Ben, en fait, au moni, je pense que. Nasuka Moussala Nangaï, Nasuka est 5 ans Nanga, on a madame Benga honorable peut-être, par rapport à Moussala ou Naoussala. Voilà, je préfère encore travailler. Vous êtes un député, député national. Monsieur le député national, je préfère. Ah, monsieur le député. Oui, il n'y a pas de souci, député national. Dos Dombasi. Nabiboui, conseil nous Moussala, parce que nous avons évité. Tout ça, nous avons évité. Tout ça, c'est le festival, tout ce cas, on a trop d'infrastructures culturelles. Bah cadre a bien pour nous permettre de passer la mission là où ils ont bani. Mais dans le DG, est-ce que l'artiste Nabisso, dans le cas domaine artistique d'abord, bah on a la fière Robin Gabartiste dans Moussala Obaosala. Non, il faut pas à la fière et à Moussala Obaosala, mais malheureusement, bah condition et alliés requisités pour Osala Moussala no et Malam et artiste comédien, sculpteur, danseur. Cinéaste, bref, les conditions, ils ont réuni pour tout ça, la moussala, la biso malam, opérateur culturel, ben, infrastructure culturelle, ils ont été, mbongo, y a création, ils ont été, bref, le gouvernement, malheureusement, est totalement absent de la culture. Mais le travail que le culturel fait est un travail énorme qu'il faut impérativement encourager. Aujourd'hui, de la même manière qu'on finance l'éducation, il faut aussi financer la culture. Parce que culture, ils ont un rôle moi, mon aîné. Et zong isara moutou. Azong amoutou. Moutou, azong amoutou. Nabokatinae. Et malheureusement, ce qui nous tue dans ce pays, on n'est qu'humain de l'extérieur. Mais non, on n'est pas humain de l'intérieur. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Il y a un zo mon ami, qu'on dit un moka, koyi bambongo. Parce que bazali, superficiel. Ils sont plus sur la forme. Ah, bah mon nana immeuble, bah mon nanaï, nana jeep. Mais na katinaye, a sa soumoutouté, a komane nyama. Et la culture permet moutou, a zonga moutou. C'est ça qui est important. Moutou, a zonga moutou. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je parle de l'humanité, de l'humanisme. Voilà. Moutou, je prends un exemple. Est-ce que la culture, je prends un exemple. Un dirigeant d'une entreprise préfère voler l'argent. Au détriment
Par exemple, je prends un DG de la SNEL. Azoiba Mbongo, mais au lieu de prendre sa câble à courant, il préfère Aïba Mbongo, 10 000 personnes vont souffrir Libanda. Bon, c'est un exemple. Non, c'est un exemple, mais ça m'appelle Néwa là. Au moment, la directeur général de la régie des eaux, et pas dans la salle de 12 mois, mais ils allaient sauter. Mais tu fous la facture. Oui. Azo préférait Aïba Mbongo à l'État à cheminer immeuble que Acha Batuyo, toi Abongsa, pour toi Zamaï. Ils ont battu sur le plan extérieur, mais la carte, c'est sur mon tout. Et donc, le rôle de la culture, oui, c'est de faire que l'homme reste humain. L'homme reste humain. Que l'homme reste humain. Osa sensible, na comment est-ce que nous sommes dans un pays aussi riche, qui n'est pas Maïmo, qui n'est pas Klingalima, qui n'est pas Kinoise, tu as la condition, malade, est-ce que c'est normal? C'est parce que nous ça, c'est sommes... toute une culture aussi. Mais parce que nous sommes gérés par des gens qui ne sont plus humains. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont sur Abeli, Azu a vu en Kiné France, Azu a vu en Kiné Afrique du Sud, Azu a vu en Kiné Inde. Mais Bissot Awa, sur Abeli, tu as la maman Emo. Mais maman Emo, conditionne les Awana. Comment est-ce qu'il y a eu plusieurs ministres à santé, Baleka, dans le ministère à santé, plusieurs ministres, des soi-disant docteurs? Mais osa incapable bon sa maman et mon nengenin. OK. Est-ce que il faut osa réellement docteur pour au monde que non aba mettre ko ki souter. Que au monde va passer baza balali amène le sol. Mais quand il voyage, il va mon va condition les dans un peu comme ça. Comment banyama, c'est ça que je te dis mon frère. Ils ne sont plus humains, cher frère. C'est ça qui tue ce pays. Alors, ba ministre soit les cana domaine au ministère de la culture. Peut-être c'était pour tout ça puis nous le wana. Le ministère de la culture. Est-ce que mon nom a communion sur les cas, tous les autres qui l'a, la carte a beaucoup de sauter, la carte a ministère de la culture, tout jusqu'aux branches autour de la cité, le domaine artistique. Cher frère, mon nom. Oh, yo, ça dit ça va festival et belé. Oui. Au coup de la réalité, ni. Nasa, c'est vrai, je suis opérateur culturel, j'ai organisé le festival Tosse Kalelo et comment le plus grand événement culturel du pays depuis à peu près 7 ans. Donc maintenant, on a 2012. Nous allons faire une autre édition l'année prochaine. Ce sera vraiment un cadre il y a 60 ans, il y a RDC, il y a fin d'indépendance. On va faire un grand OCK Tourbing, ça va humoriste par route à au moins dans 20 pays. Bref, par rapport à la question au Tuningaï, au moins le ministère de la culture, encore une fois de plus, toujours moi, l'Ibabé, il y a Ozala géré, il y a ministre et belé stagiaire. Au moins, il y a second ministre, par exemple, le ministre à Longwe, pour au moins sur. Stagiaire Moura m'a cassé collègue. Tenez. Mais aïe bien le côté, mon frère. Aïe bien le côté. C'est-à-dire, aïe, abanigo, à comprendre qu'il tire les anines. Aïe bite. Aïe bite. Aïe bite. Faut t'en. Mais faut t'en mouta pour naquier, malheureusement. Mais dans ce pays, mon cher, on le fait. Et ça, je ne te parle pas que du ministère de la Culture. Non, le ministère est belé, même dans le gouvernement Oasika. Au moins, là-bas, tu es la biseau Batou Moko, qui n'ont d'abord rien fait de leur vie. Donc, vie n'est à salé le côté. Mais Babameli Biso Bango à la tête d'un certain ministère. Aïe Bélote. Aïe Bosala qui stage Néwana. Tant à Banego et Gouaman Moussala. Aïe Bosala qui stage Néwana. Aïe Bimbongo. Aïe Bimbongo. Et puis l'eau à Malonga et Salamité. Ben la Nyon Soubalekina ministère de la culture. La ministère de la culture, la majorité. Il y a quelques-uns, il y a quelques ministres qui se sont peut-être démarqués. Mais la majorité, Bazaba stagiaire, Bazaba ta Sony, qui viennent apprendre sur le tas. Aujourd'hui, nous avons besoin, au ministère de la Culture, même dans les autres ministères, avoir une personne qui a la maîtrise de la situation. L'ICAM, par exemple, dans un ministère, le ministère de la Santé. Et Zakaraté Moudazara, docteur. Non, mais Moutoumou est capable, par exemple, qu'on s'en va réforme sur le plan sanitaire en République démocratique du Congo. Tobongisa Mamayemo, Tobongisa Kliningalema, Ozomola, Tobongisa Ambulance dans le Congo. Ben, infirmier, ma foutre à ma malam, mon cher. Ou bien, pourquoi tu compliques que je dirige Moko? Pourquoi tu compliques que je dirige Kongo Oyo? C'est la mauvaise foi. Mais. Manque d'orientation. Pour être dans la fonction politique, ou quoi? L'égoïsme, peut-être. Je sais pas. L'égoïsme. Je sais pas. Comment est-ce qu'on peut être un pays si riche, mais avoir de pareils dirigeants? Et l'eau est comme ça, à moi là. Mais c'est pour ça que je suis venu en politique. Mais l'actuel ministre de la Culture à côté. N'aie bien en noté. Mais j'aimerais te parler d'abord des anciens ministres qui ont été incapables, mon frère. Yaobong, c'est pas ça le roi Mungita. Bah ça du zoo.
incapable de construire même une salle. Donc aucun ministre à Salamo. Donc mais, bango budget budget na domaine on les a raté. Mon frère, on a ambition. Le budget y est. Mon frère, avec 300 000 $, tu peux créer une salle. Avec 500 000 $, vous créez une salle à cinéma. C'est possible. Mais aïe, il y a une idée. Peut-être qu'il y a un côté dans le cinéma. Peut-être qu'il y a un côté dans la salle à théâtre. À côté dans le musée. Donc, à découvrir le musée, tant que ministre. Vous avez un côté dans le mon cher ami. À côté dans le côté. Nous avons. Culture à côté dans le monde. Pour tout le culture écoute ça mon ébélé. Mais vous devez d'abord investir dans la culture. Si celui qui culture écoute c'est non bon, tu dois d'abord investir. Aujourd'hui, chaque année, France est chaque à 10 milliards de dollars dans le secteur culturel. Et le secteur culturel est rapporté à plus de 48 milliards de dollars à la France. Plus que l'industrie automobile. Plus que l'industrie agroalimentaire. Culture au besoin négligé. Mon frère, dans un pays comme la France, basé à 10 000 salles de spectacle. Il y a plus de 5000 cinémas, il y a plus de 20000 bibliothèques, plus de 3000 musées. Il y a combien de musées? Il y a beaucoup de musées coréens. De fait, quand tu es là-bas coréen, il y a beaucoup de musées. Toi, tu as sonné, mon cher. Nous sommes gérés malheureusement par de petites personnes. Narata Kongo Oyo, le Doumontiri. Oui. Pesanga, aujourd'hui, le divertissement et la jeunesse congolaise. C'est quoi le divertissement? Pendant que l'article 46 de la Constitution dit clairement le droit à la culture. Chaque Congolais a le droit à la culture. Yébissanga aujourd'hui, quel est le divertissement du Congolais? Quel est le divertissement de la jeunesse congolaise? Ezali Lotoko, Agene, comment on l'appelle? Soupunatolo. Soupunatolo, Babar, Baboite de nuit, Impudicité. C'est fait si Yamaluna. Pour pas la distraire, relève à l'OBI. C'est fait exprès. Mais comme tu le dis, en fait, on est un pays. Le Congo est un pays stratégique pour le monde. Le Congo est stratégique pour le monde. C'est comme si, en fait, Congo, on va nier la diamant, mais on évite qu'on va nier la diamant. Alors qu'il fallait abrutir le Congolais. Il fallait que le Congolais zoba pour Azala manipuler. C'est ce qui a été fait. C'est pour ça qu'on n'a pas investi dans une bonne éducation. On n'investit pas dans la culture. Mais l'éducation, il y a la gratuité de l'enseignement. Mon frère, on a fondé la parenthèse. Le problème de gratuité, ce n'est pas un problème. Comme je le dis, c'est quelque chose de bien. Mais n'oublie pas que c'est un droit constitutionnel. Donc, on a embêté dans les beaux côtés. Parce qu'il faut respecter la Constitution. Constitutionnel okay. Et lobby. Et c'est que mon toit lobby. La Constitution dit clairement que l'enseignement primaire est gratuit. C'est la Constitution. C'est pas une personne ou le président qui le dit. Okay. Donc, Elo Mwana Lambe Telango m'a beau côté. Mais j'aimerais dire ceci. On peut parler de gratuité, c'est bien. Mais est-ce qu'on parle de qualité de l'enseignement? Quels sont les effets induits de la gratuité de l'enseignement? Il y a un ambition. Parce que déjà qu'enseignement, l'ambition dans le cas de Congo, est à la faible. Au bien haut. Enseignement congolais est très faible. Mais tu as la Moussous. Aza la troisième CEO, Aza qu'on ne parle même pas français. Il t'aligne même pas trois phrases correctement. Après, c'est vrai. Français, ce n'est pas synonyme d'être intelligent. Mais même en lingala, il y a des gens qui te réfléchissent super bien. Mais malheureusement, au ressentir que moi, là, déjà, troisième, quatrième, cinquième, raisonnement naéza, il y a malongaté. Alors, j'ai peur aujourd'hui que gratuité enseignement, et il y a qui disait sous qualité, il y a enseignement. C'est ça qui m'attriste et c'est ça qui donc, me fait nivellement vers le bas. Vers le bas. Alors, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs professeurs qui sont venus me voir. Bah, ils disent, mais honorable, awaboche, gratuité et enseignement. Bah, frais de fonctionnement, tout ça, la moitié. Tu reçois la neng, tu reçois ma crée neguenin. Tu reçois la toilette neguenin. Il y a une école, bah, il y a 10 toilettes, bah, quand il y a 8, bah, le bibala, c'est la 2. Parce que le personnel n'est pas payé. Bref, en fait, la gratuité est très bien. En tout cas, je le dis clairement, moi, je soutiendrai cela. Même si dans le temps, on va boroter, mais je soutiendrai Elo Kouana. Mais attention, attention, attention aux effets qui peuvent venir après. Voilà. Voilà. Alors, on a un fond, divertissement, il y a un jeune. Divertissement. Il y a un bout de jeune. Oui, mon cher. Est-ce que le jeune, on va avoir un peu de pété? Mais mon cher, aujourd'hui. Et vraiment, on va avoir conscience. Mais c'est ça notre rôle aujourd'hui. Quand je viens au devant de la scène. Bah, tu sais, métro bar. Mais voilà, voilà. Non, mais chicho. Mais chicha, c'est chicha. Voilà. Mais est-ce que tu comprends un peu? Le Congolais, le jeune Congolais, ne réfléchit plus.
On lui a dit même que non, politique était lioté, politique était mamikolo, batola ba yibarala. Mais ils oublient. Baka savou bazo pouvoir na ba ajine. Ba mbou bazo pouvoir na ba ajine. Ba 25 ans, ba 30 ans, ba 33, ba su pouvoir. Mais les lois comme c'est sûr que non politique, ils ont dit qu'on va jeuneté. Non, ils ont le kouta. On a abruti la population. Ba monte que ba agene ya ba 100 francs na kamwaki. Agene ya ba 200 francs ezali. On tue la jeunesse. Un ami me disait, Ados, oublie-le. S'il y a un pays qui décide, il y a qu'à envahir Congo. Congo, vous allez envahir. Comment ça? Abinangai, Congo, vous allez envahir. C'est-à-dire, non, je te dis vrai. C'est-à-dire qu'on est moins raté. Oh. Mais il faut réfléchir, cher ami. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qui. Tant que tu as vu tout le monde, il y a un jeune. Les jeunes ont quel âge? Bah 18 ans, bah 19 ans, 20 ans, bah on n'est pas qu'il a rabitou, bah il y a quarantaine, bah tout le monde est là. C'est les jeunes qui vont aller se battre. Ni les Arabes, États-Unis, bah France. Mais Yébissanga, jeunesse na yo, de 18 ans déjà, bah yéné, bah kouiti. 6 heures du matin, moutana kouiti. Ah aussi, ma moudoung d'en. Ah bon, on est pour l'école. Parce que la jeunesse n'est pas encadrée. Ce que je suis en train de dire, cher ami, ceux qui t'ont salé rareté, bah robot, tu l'as vu sur ma belle ou t'as la rare. C'est pour ça qu'il faut conscientiser la jeunesse. Mais comment la conscientiser? Il faut une bonne éducation. Il faut qu'il y ait de la culture. Il faut divertir positivement. Sain. Il faut un divertissement simple pour la comment? Jeunesse. Avec... Au lieu moins, oui. Allô, bah, non, papa. Je vais aller voir un cinéma. Je vais aller voir une exposition. Je vais dans une bibliothèque. Moi, non. Il faut nourrir. Ah non, mon frère. Nourriture. Tu sais quoi? Il n'y a pas de truc ça. C'est-à-dire. Et dans le niveau de la moto. Cher ami, mais tout à fait. Mais nourriture, de la même manière, tu laisses à nous ton abisso. De la même manière, tu laisses à nous ton abisso. Au mêlé milk. Le cerveau a aussi besoin de consommer de l'intelligence. C'est important. Le cerveau a besoin de culture. Pour que Moutou, la forme. Atikala Moutou. Tant que vous avez dit que nous avons formé. Voilà. Et il y a mis ça dans le cerveau. Dans le cerveau. Alors là maintenant, c'est pas le rôle de l'artiste, Isani. Mais éduquer, nous sommes des éducateurs de masse. Mais l'artiste aussi, au-delà d'être un éducateur, c'est, il apporte un divertissement, il apporte la joie, la paix. Mais dans l'ensemble, il apporte, il apporte l'intelligence. Ah oui, mais il y en a. Mais dans l'ensemble, tout le monde a un bon cannabis. Mais mon frère. Mais t'es Liolo, père, son âme, ça te dit Bissot. Mais attends. Est-ce qu'il y a un autre Liolo? Mais tu as des grands artistes locaux là-bas, Roger Botembe, Diki Songele. Ce sont des grands. Il y en a plein. Henri Kalama, Zaye Belé, côté à théâtre, aux uns, Jean-Jacques Chipamba, qui a été mon maître. Tu as mon frère Israël Chipamba, Noël Kitenge, d'un côté danse, Ozalba, Jacques Bana, Yanga, Edimboyo. Il y a des gens qui te proposent du très bon travail. C'est tout mon travail là, Edimboyo. Hein? Bah, Paul le père, Bazali. Moi, si la moto, Elengi, tant que vous avez dit 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 que vous. Mais parce que dans ce pays. Les jeunes préfèrent. Ouais. On dit, bon, là, on tourne jamais l'insanité. Mais qu'est-ce que vous proposez à la jeunesse? Mon frère, en fait, tu ne peux que donner que ce que tu. Attends, que ce que tu as consommé. Qu'est-ce que ces jeunes ont consommé? Ils ont consommé quoi? Ils n'ont consommé que des bêtises. Bêtises, bêtises sur bêtises. Et la bêtise n'engendre que la bêtise. La bêtise n'engendrera jamais l'intelligence. Donc le problème, c'est d'abord du côté de l'éducation, du côté des parents. Qu'est-ce qu'ils ont appris dans les quartiers? Qu'est-ce qu'on apprend? Mon frère, et si ka agene depuis 6 heures du matin, diambe me lava depuis 6 heures du matin, ti 1 heure, 2 heures du matin, bakati bakay pe maman mouke, bazonye le nan sousou, mais 6 heures du matin. Des revers. Qu'est-ce que tu peux avoir? Tu ne peux rien avoir de bon, si ce n'est que de la bêtise, Degolanga. Aujourd'hui, il faut impérativement investir dans l'humain. Je dis clairement, il faut investir dans l'humain. Tu sais, Doudou Montiré, oui. L'homme est un projet culturel. L'homme, Moutou, a un projet. C'est-à-dire, normalement, l'État, tant que vous êtes président, il faut que tout le monde dise, ah, j'ai besoin d'avoir des citoyens congolais en 2020, pas raisonner, Boyer. Et c'est possible? Mais c'est possible. En mais
on utilise l'éducation, on utilise la culture, le civisme. Vous comprenez? L'homme de 2025, il va ressembler à quoi? Je veux qu'en 2025, que tous les Congolais passent à la travailleurs. Avec quel modèle? Ça se construit. Mais avec des modèles aussi. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Avec des modèles. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Il faut incarner il y a un, gouverneur, un changement. Il y a un vice-gouverneur, il y a un modèle. Mais mon frère, c'est pour te dire qu'on est géré par. Tozo quand c'est que la classe à l'écolo, mais c'est par la basse classe. Et là où Salami na Congo central, ils allaient scandale, ils allaient marrant. Il y a Sony, Toron Dimanté, Naratamboko. N'a ses pieds déjà ne va suspendre au mais j'espère qu'il va le voir réellement. Alors, continuez le coin là, parce que l'homme, c'est un projet culturel. L'homme est un projet. Et on doit l'orienter dans sa solution. Tout à fait, mais tout à fait. Mais voilà. Alors, est-ce que va ministre au dans le domaine culturel. Naibité, ouais, c'est quand tout cela, c'est quand pas calme sur Bagui. Mais naibité, ouais, c'est quand naibité. En tout cas, na kila Google, na meka olukaye, asalanini, na naibité. Mais ma proposition numéro ça là, pour le loto mega penza, ma proposition mega penza non. Non, c'est à dire déjà qu'il y ait une politique culturelle dans Tamboko. En fait, que les gens aujourd'hui comprennent. La politique culturelle c'est quoi? Mais les gens comprennent. La politique culturelle c'est une organisation. Comment organiser le secteur culturel? Nengé, ils allaient dans un secteur minier. Babé, on suit code minier. Bissot, la culture avait vraiment politique culturelle. Comment organiser le secteur culturel pour que le secteur culturel ait participé à l'éducation et à citoyens congolais, pour que la culture puisse divertir l'homme congolais, un divertissement sain, mais pour aussi que la culture puisse apporter économiquement à la République démocratique du Congo. Je venais de te dire que la France investit chaque année 10 milliards d'euros dans le secteur culturel et le secteur culturel rapporte combien? 48 milliards d'euros. Donc, n'oublie pas que la RDC est 4 fois plus grand que la France. Donc, si réellement nous commençons à investir dans la culture, dans 20, 50 ans, au moins la pétrole coûte 1 milliard d'euros, qu'à dans le secteur culturel. Donc, les gens ne pensent pas que na Congo oyo mbongo ezaka na ba diamant na or ba cuivre cobalt. Non, la culture peut rapporter de l'argent, le tourisme peut rapporter de l'argent, le numérique peut rapporter de l'argent. Bref, il faut aujourd'hui diversifier économie et amour à la mission Congo. Voilà, alors nangaki to profiter to benga pe maître Pai. Maître Pai, c'est un artiste comédien oyo outibi poto. Hein, à cela, moi, je suis dans le domaine du théâtre. À côté de Mbalamoko, comme opérateur culturel, en même temps honorable. Maître Paye. Ah, honorable. À côté de Mbalamoko. Ça va, vraiment honorable. Maître Paye. Maman. Oh, bonne santé. Santé bien. Alors, on a très bien. On a dit que mon est un député, Ados, Numbasi. C'est ça. Oui, à Salimoua Mingi. C'est ça. À Sfanda, dans le domaine culturel, opérateur culturel. C'est ça. Donc, peut-être que c'était. Ne venez ni dans mon salon ou bien dans mon salon. Vous voyez qu'on lit dans mon salon, vous voyez qu'on vit dans mon salon. Vous voyez que ça te mette à ma lame dans mon salon pour bilinguer l'eau, bas à bilinguer l'eau, bas à bilinguer mon roi. Il y a mon touya pour voir qu'on défend le biso, il bande en boc. Et ça a été bilinguer mon roi pour bien mon roi déformer bango dans mon salon, bien avec ça. Vraiment, merci Boutou, de vous passer la parole. Mais na dikambo lobi, na séparer nango parce que d'abord passation de pouvoir yambouga na biso, et les gars qui na bi, et les gars qui kitoko, makile tanga kite. Ça c'est un pour l'ancien président Kabila, na le actuellement. Donc et les gars qui kitoko parce que nazo okumi ça, c'est ça on appelle la démocratie. Alors, la démocratie, pas de bisou, et bien nous kouta. Et bien nous kouta. Alors, na clan musical, na sa sirwana déjà, parce que moi, je bonga. Mais côté théâtre, c'est bongaté. Pour le nim. D'abord, ma œuvre na bisou, et ça suivit. Ma œuvre na bisou, pour te gagner moi quelque chose, il faut tous la payer dans l'État. N'est-ce pas la poutou na yebi? N'a la kenego luka, n'a kenego salaba rigolo. Na tefe na kekuna moi il y a
Félix Tshilombo Azawana. Ngabi na komi mettre pas Tshilombo. Ou bien Kalonji. Na ko tiamu. Parce que ndenga zali wana eza ko senga atala ba critère nyoso. To séperi nengi bino ba député. Ndenga Azawana. Bu posa ka pe ba problème ya artiste. Bizo artiste to kufa ka ka pauvre. Tozo débrouillé. Oh, yo kaka na makasa nzutu. Kote mzutu na makasa nzutu. Ke papa okuta ina mingi. Tango uli kukusonga. Ma watu. Alors, neti biso ba oi. To transmete batu. Mwenye sali bambula boni na msala oi? Hey, 40 ans. 40 ans. Presque. Depuis minjoto. Seri ya ndengi wana. Toko bina ndengi wana. Mangwa u ndengi wana. Ndengi wana. Paseri wana. Mingi basaki bana mike tam suye po saki mwana mke Oso sokula nambula Ya ayo wana Oso sokula nambula te Mangwa wana Eh di rindu So 40 ans si kula Eh 40 nasa nani Usa ni Nasa ni loko te Nasa nga nanga Soko tu nga nasa nga nanga Soko tari nga nasima nga nanga O tari nga namu panzi nga Usa ki musala ma beto nini No Ya bise saraka Ndegini Bo Tuko uluba tam susu na tangu ya president Tshilombo tangu msusu tukubonga tangu msusu tabi ya kalalini sala ngolo zaku sala makazi na yo pirateri obimize lo pirateri tozo ganye ilo kote soneka o oh, nani ilo kote me ya usi la sokoda mwosa la sokoda mwemi sokoda nemeni sokoda na ya maki awa alombi mbongo zate mbongo zate mbongo zate nana ufuta nana ufuta yo Alors, honorable député, en fait, ils ont dit, voilà, bon, la langue à répondre à mon tour. Mais, cher frère, cher ami, alors tu connais le bélo, il y a politique culturelle. Il faut organiser le secteur culturel. Malheureusement, bateau bâti l'Arabie se mingi na ministère de la culture, ils a bateau bâti aussi la stage na ministère de la culture. C'est ça. Bazo réfléchir bien te bana vision te pour un secteur culturel. Quand on dit que Mogon ils atteignent la Sokoda, c'est totalement faux. Il peut avoir de l'argent. Par exemple, bâti la télévision. Est-ce que vous voulez acheter la télévision, il faut vous foutre avec Mogon la Sokoda. Oui. Vous devez payer. Non, même la terrasse. Vous comprenez? Même Mitouka. Bah terrasse, Mitouka, Babus. Mais la télévision. Mon frère, la Sokoda peut avoir beaucoup d'argent. Boîte de nuit, tout ça, mon frère. La Sokoda ne peut pas manquer de l'argent. Elle ne peut pas manquer de l'argent. Ta copie privée, il faut foutre droit d'auteur et téléphone aux hommes en haut, bah DVD, bah ordinateur, il faut ta copie privée. Et je peux te dire, en France, la France organise plus de 5000 festivals, c'est ça, grâce à Mbongo et à copie privée, c'est ça. Et on fait tout que tous les artistes bah se retrouver dans un événement culturel en France. Bref, aujourd'hui, quand on va organiser le secteur culturel, tu verras que beaucoup de choses vont changer. Et la vie des artistes comédiens va bien c'est évoluer. Ça, c'est ça. Alors, vous avez composé une chanson ou bien là, non, en fait, c'était le clip de ma campagne. Dans la banane campagne d'Angaï, j'avais fait un clip différent. Au moins, tout seul en aussi. C'est ça. Au talent d'abord. Suivons d'abord ces clips. Pour la radio, il y a Ados Ndombasi. Messieurs les députés. Parle-moi, parle-lui, parle-nous et parle-leur. Parle avec ton âme, parle avec ton cœur, parle avec douceur,
parle avec ardeur. Parle et que les consciences s'éveillent. Parle de ces mots que plein de faits étayent. De la santé pour tous ou de la guerre. Du pain ou du désespoir à vive allure déployée. De l'égalité des chances ou des salariés de la misère. De peine du quotidien ou de la pauvreté. Ce qui compte, c'est que tu parles. Parle à Dos Nombassi. Surtout, parle. Dénoncer la faim, le chômage, la délinquance, les médecins commerçants, serment d'Hippocrate oublié. Dénoncer l'injustice sociale, peuple dans la pénurie, une caste dans l'opulence. Dénoncer. Dénoncer les massacres de Beni, Kamouenansapu, Kananga, Kasai. Une journée de calme vendue plus cher que 1000 journées de remous. Dénoncer ces politiciens qui malaxent le peuple comme une pâte de semoule. Méro, dénoncer. Dénoncer ces églises devenues des phénomènes sociopathologiques. Des salariés de la misère qui en font un fonds de commerce par leur boutique. Dénoncer la corruption, le Moté Alikasu, le Madé Swabana. Dénoncer, Méro. Parle pour les eaux. Parle pour la faune. Et parle pour la flore. Parle. Congo, plus grand château d'eau d'Afrique, deuxième poumon de la planète Terre. Et avec son ensoleillement magnifique, il est un véritable paradis terrestre. Congo, paradis terrestre, devenu un enfer, pourquoi ? Dénoncer les difficultés d'accès à l'eau potable. Dénoncer le délestage. Dénoncer les coupures intempestives et prolongées de courant et d'eau. Parle d'une école reformée, de celle qui doit former des citoyens, des élites, des gens capables de résoudre les problèmes des sociétés. De la méritocratie, Nomassi parle. De l'excellence, parle. De la compétence, parle. Dénoncer l'école des PST, point sexuellement transmissible. Dénoncer l'école de PFG, point financièrement gagné. Annoncer l'école tel un temple du savoir, savoir vivre, savoir faire, savoir être. Parle de la culture, de cette culture, la nôtre. Cet enfant délaissé de la famille Portefeuille. Parle de la jeunesse, de cette jeunesse, la nôtre, abandonnée à elle-même. Perdu sans repère face aux écueils. Dénoncer les bars et les boîtes de nuit qui pilulent comme des champignons. Dénoncer le manque total d'infrastructures culturelles. Aucune. Le manque de salles de cinéma. Aucune. Le manque de bibliothèques. Aucune. Dénoncer le manque de théâtre. Aucun. Le manque de salles d'exposition. Aucune. Le manque de maisons de jeunes. Aucune. Le manque de politique culturelle adéquate. Nul. Artiste sans statut. Hey, je dénonce, Méro. Parle à ce peuple manipulé pour un t-shirt. Rendu marionnette au vu d'une bouteille de bière. Qui échangerait sa voix contre un petit papier vert. Oh, peuple congolais. Peuple ardent, mon peuple, n'oublie jamais que le souverain c'est toi. Exigez le respect et tournez le dos à ceux qui prospèrent sur notre misère. C'est possible de voir sur un visage un sourire, un vrai. Sur un sourire, un espoir, un grand. L'espoir qui illumine un regard et rend l'horizon fiable. Hein, Miro ? Parle, Ndombassi. Parle, voyant. Mais à la fin, n'oublie pas d'agir. Voilà, parle Ndombassi. Ndombassi Mando au côté. Et sur le Béli, Baptiste, la parlez-vous? Non, c'est une bonne question. Tourbana Makamero le Béli à Baptiste, à partir du 15 septembre, okay. La session ordinaire. Au bout de santé, que première session ordinaire, ils allaient qui m'ont ma validation des mandats à ma députée d'abord. Et puis, Zalaki, bien sûr, il fallait te choisir Batoba Kamabiso dans l'Assemblée nationale. Wana to Zalaki en haut. Session extraordinaire, Zalaki Maramou. Il y a validation des mandats.
Ok, il y a certains députés au Bapona et la Cour constitutionnelle, et puis bien sûr, les Kamouya validation, investiture, il y a Premier ministre au Asika, il y a Congo. Voilà. Voilà. Alors, donc, en septembre, tu vas dire que tu as un courant, ma érosion, ma statut d'artiste, tout ça, tout et tout. Mais on commencera bien sûr à partir de 15 ans. Et ça, on a 40 ans, on a eu l'autre. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais cher ami, au moni, dans les Kamango, ils ont un artiste. En fait, c'est même la politique dans le Congo. Au moins, il y a un journaliste. À Sali 40 ans, pas à peine l'autre. Au moins, il y a un Moussoussou. Alors, c'est le pape libanais. À Sali 40 ans, pas à Zupé l'autre. À Zupé pensionné, pas à Kékouf à la mort. Au moins, il y a un Moussoussou. À Zosa, dans la brasserie. Parce que moi, j'ai travaillé dans une brasserie. On reprend. J'ai vu des gens pensionnés. À Sali Poussala pendant 40 ans. Ah, ça s'appelle l'Europédie. Donc, en fait, c'est un peu comme ça. Mais c'est un peu comme ça. Ce pays a beaucoup de richesses, mon frère. Oui. Même ça qui est député Moreau avant-hier. Honorable. Comment est-ce que on peut venir présenter un budget de 4 milliards de dollars dans l'Assemblée nationale? Oui, ça va aussi. Donc, quand le Facebook, à qui elle dessine là. Il y a un sens. Mon frère, là c'est le cas calcul. Moi, le sens unique. On est dans ici. Quand le Facebook, elle est restée là. Quand le Facebook, Mark Zuckerberg, elle est qui Congo, Nala. Sens unique, ouais. Est-ce que tu t'imagines un peu? Ça n'a pas de sens. Mon frère, dans quel jour on a Nathalie RTNC, la tonne à cobalt est commune à 32 000 dollars. Tonne à cobalt. Il y a un bassin là-bas, Mitouka intelligent, Mitouka aux années à batterie, Mitouka électrique. Électrique. On se comprend. Cobalt, ils ont la Congo, 80% de la Congo. 32 000 dollars la tonne. Au bien année passée, Congo exportait combien de tonnes à cobalt? 100 000 tonnes. Donc, si tu as 100 000 tonnes à cobalt, fois 32 000 dollars, ça te fait 32 milliards de dollars. Cobalt à Pamba. Mais on vient vous présenter un budget de 4 milliards de dollars. C'est un bon moment. Naké, na cuivre. Ok? Cuivre, année passée, tu as été 2 millions de tonnes à cuivre. Tonne à cuivre, comment 10 000 dollars, 8 000, 10 000 dollars. Donc, cuivre à Pamba, et qu'on paye 20 milliards de dollars pour la RDC. Mon cher. Est-ce que Pamba ou Wane Zaraga? Donc, calculer. Mango, tout le monde, c'est pas Mango Zaraga. Et Zaraga. Donc, si on calcule quand même à cobalt, Nambo ou Yanania, comment on appelle? Il y a cuivre. Mais. C'est beaucoup d'argent. Mais voilà, n'attendez le diamanté, n'attendez le manganeste, n'attendez le orte, n'attendez le ferte, n'attendez le maïté, courant, batax, babois. Mon cher, ce pays a été géré dans ma ventre et belé. Quand vous parlez de bois, il y a M. Jean-François Mombia, avec niveau d'exploitation, il y a bois, ils ont ça, les manabasoko. Je suis là pour ça, l'exploitation de façon abusive. L'exploitation fait ça pendant 3 mois. Et là, tu es comme ça, on a 6 ans, on a 3 mois. On a 4 ans, on a 3 mois, on a 3 mois, on a 3 mois. Là, c'est M. Jean-François Mombia qu'on va recevoir plus tard pour Beta Gimbela, là-bas, à Basoko, Bata Makambo, l'exploitation, il y a beau, il y a un Basoko. Alors, donc, le cobalt à Pamba, ils ont payé 3 200 millions de dollars. On a cobalt, il y a Pamba. Et ce qu'on a cuivre, tu as à peu près 20 millions de dollars que le cuivre résout ça. Donc, cuivre, quand on a cobalt, on a 23 milliards de dollars. Mais si tu as un peu de présenter ce budget, il y a 4 milliards de dollars. Mais on est là de façon brute. Après, comment ça a été? Non, mon cher. Je te parle de recherche. Ma recherche, on a la salle. Après, mon cher, qu'est-ce que je dois dire? 20 milliards de prix. Bah, la richesse, c'est la brute. Vous comprenez, c'est la brute. Il faut vous transformer en gros. Cette facilité-là, la transformation en gros, en amour, en abysso. Mon frère, ce pays a énormément d'argent. Je le redis encore, beaucoup d'argent. Mais j'aimerais dire ceci. On pourrait aussi avoir beaucoup d'argent, ceux qui doivent investir énormément dans la catégorie agriculture, par exemple. Tu sais, il y a certains pays, par exemple, comme la Russie, à Tega Tomate. Tomate à Pamba, il rapporta pour la Russie 10 milliards de dollars. Tomate, il y a Pamba. Voilà. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est grave. Orange, bah fruit, bah pomme, n'a pas mouru à Moussou, c'est mon budget. Écoute, ma 20 milliards de dollars. Mais nous avons un PCB sur ma belle à Kitoko. Qu'est-ce qui manque pour investir pour se retrouver? Quand on est à Lianzala.
Oh oui, normalement, un pays normal. Au cours de la moukaté, on se dit, ah, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Non. Dans certains pays, c'est dépassé. Ah. Aujourd'hui, il faut penser qu'est-ce que je peux faire pour le pays. Alors maintenant, pour notre culture, revenons à notre sujet. Ouais. Pour notre culture, parce que l'élo artiste, ça fait 40 ans. Alors, je vais le côté, il évolue partout dans le domaine des bélés. Si on a 40 ans, on va faire ça, on sait ce qu'on est. Ceux qui 40 ans, qui ont salé, ce qu'on a commis l'élo. Au sens où on est une pause dans mon bon, je sais pas, vous avez fait. Il y a un raison, tu vois, c'est dans mon bon. Au sens d'un. Non, ça, c'est un dégueuil. Un dégueuil. Donc, il n'a pas dit deux minutes. Il y a un style assez. Le style où on a, ce qui va condamner, va se faire dans mon bon, là, on va voir. Style où on est. Le style où on est, deux minutes. Donc, on se caca à 2 minutes. Est-ce que vous m'avez dit que 2 minutes en haut? 2 minutes. Neti ko seka. Bon, tata mongo. Yo ka mo seka. Yo seka. Pare to seka. Honorable. Préparez au seka. Après au seka, on lui tique. Donc, yo peut. Il était. Ko seka yo fo lui la o tique. Oui. Ba tata ma ba ndoki. Izara ki mukor mongo tata mongo. A outi a yena fête. Tanga yena fête biloko nyo se tique. Biloko nyo se siri. Et tikara ka ma deux. Ba pa ba tuni tata. On dit, il y a une série. Il y a une série dans ma poche. Tata a vu, envoyez-moi ça. Bayenango. Tango Bayenango. Tata a parlé de Thierry Rancesa. Tata a parlé de Bayenango. Bayena ye fuma sana fumwa ple tata wana baniko so fumu asu fumwa asiri asu susu mulanga masan a bakshi li kolo ya fumu ela patuni tata e otoni na toni te mbika bayena sana mbika mbike ye ta mbike ye ba tata ba mama ba no e sara ki makata so no asu mbika wa asiri sia asu mulanga masan wo sikoyo tata wana Amoni sikoyo madezo ya kota kika madezo abi eh boni bango changali kola fumbo ko ngai zoba na binu madezo abadi kufundu kana dipo bum fumbo le bingaye ba pena za fumbo bokolo bela ngani boye bingati ba changa ngubu fumbo pe bani ting 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 mbika lobi hela na ba changa ngai na mbwe boye bingati mbika pe bani papa et elle a qui souka na makambu tatangwa la ta ki pembe 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 sikoy sapata pembe pataria pembe sangre ya pembe nyozo ya pembe atene ya pembe et elle a qui souka sose baruki na libu libu mbande ko peta bakan tatana sima boetiki a boetiki fre aso kita na montagne tanga lo kita Zauki tena montagne tata ba mama ben doki hoy ba jabu na ngai hoy ba ke tata ra zai na likama boti papa fi ba sanga kete na na place ba sara oh papa est-ce qu'on peut danser al bin nyama ngwa paso ngale zo mon yo yebi a na ke ne kutere mana kumbina a poeti ki ele ki fresi ah asa na descend ya ngumba fresi Parce que quand on voit moi la copine m'aurait mimi ou là. Oui. Parce que nini nous allons vivre moi la copine. Ne sois pas n'importe qui banaki. Tata baby c'est fait. Tant à tel mieux là. Fou moi bibi. Ouais ma deux soirées ou là. Boum. Miga ou là. Cra. Tata baby c'est. Ambulance c'est pour te faire rejoindre. Banda banda écoutez. A sali 700 kilos. Y'a n'y a sa tika qui a oua. En tout cas, non, mais ça, c'est un grand artiste. Angouaoun de Guyon, Maître Baye. Babi Mangaou. Aïe, Moutamon, y'a n'y a kate. Le Beignet. Le Beignet. Yaka. Y'a, 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 D'accord, le Beignet. Le Beignet, pas la Congolie. Le Beignet, 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 le
La GOKA c'est la fondation et le PDG et le papa social. Le PDG et papa social. Merci beaucoup. Aux monde, donc Bazaba tout le monde qui mérite mieux, à qui mérite mieux et félicitations. Mais voilà, nous sommes ambitieux de venir au Parlement pour défendre Baptiste. Comme je l'ai dit, on va se battre pour que RDC soit tout là pour défendre un ami. Tous dans la politique culturelle, il faudra avoir tous dans la politique culturelle. Il faudra tous dans l'infrastructure culturelle. Il faut bon, c'est pas ça la spectacle. Vraiment, il faut pas pour ça la spectacle. Aux monde, tous en a besoin d'un mot quoi. Bien sûr, on aura qu'au divertir, s'il vous plaît. Le quartier Malvaté et Kambabassar et spectacle, c'est très important parce que les dingas nazaria dans un fou la recette moutou dans les affoules les appoubelles dans les bosses dans les anambika dans du corps dans un angol à un azan en zombo côté dans un mongous n'a pas sexe en elle parce que comédie les arrières sont aux bims et pèse à la tête du bon. Il y a des gens qui ont dit qu'il faut faire ça. Ils ont hésité à l'appel. Ils ont fait. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait kanda. Il faut que je suis là. Ah, d'abord. Alors, bon, bah. Alors. La CCTV. La CCTV. La 8h15. 15. Bon, là, je vais faire un peu de temps. Ok. Alors, 40 ans après, Albi a joué Idé Royo. Mais est-ce que. Bah, producteur, bah, bon, bah, sponsor, bah, bon, quoi, est-ce qu'on a mais comme aujourd'hui, quand on parle de la politique culturelle, c'est-à-dire il faut organiser même pour un producteur. Parce que bah, le producteur est bien bah, qui m'y paie un monde à culture pour elle, parce que ça ne rapporte plus. Côté qui a sauté depuis que Internet est coti, au moment on a tout le bagon à piraterie, des gens ne se retrouvent plus. Et au moment mingi à producteur et babenani. Mais il faut aujourd'hui toko de sa politique culturelle mususi ya sika. Vous comprenez et permettre que investisseur baya. Mutalo va par exemple que non ah, na ina investir na salle à spectacle, na ina investir na mangwaou. Abetera par exemple tous les jours. Ça il oublie chaque dimanche. Au moni par exemple la poto et l'on espère la poto isa. Mona ça les a na. Il y a un artiste à obéter peut-être pendant 3 mois. C'est ça. 3 mois. Papa c'est pas bon on a eu ça. Donc chaque jour à obéter. Chaque jour à jouer. Il joue chaque jour. C'est possible jour. Ça encore. Mais oui, possible. Mais ça m'a été pour lui. Palladium plus que non obéter. Palladium. Voilà. Mais dans on a légué la boulevard dans le Palladium la monnaie a monté. Et qui va? Comme il m'aime. Mais bien sûr. Ok. La monnaie bat plus que non obéter. C'est le Palladium. C'est le Palladium. Tout le monde a plus que non obéter. Après 1000. Mais eh. Mais ça n'est qu'un. Et qui va? Mais ça c'est grave. Tu as envie de Nigérien, de film Nigérien, politique culturelle. Non, non, ça c'est grave. Ils sont tous les qui parlent. Ils sont tous les qui parlent. Parce que les Congolais, tous nous avons tout. Tout préféré à toi, les bandes qui bissent. Parce que nous avons des gens qui sont les gens. Ils sont tous les gens qui sont les gens. Parce que nous avons pris toute une formation de base. Il y a one man show, tout ça n'a pas. Vous comprenez? Quand c'est que ça me compte, il y a une histoire qui n'a pas été des femmes qui comptent. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, honorable. Caché. Vous avez appris dans la classe, vous avez descendu comme ça. Tout à fait. Mais pourquoi vous avez monté? En fait, nous avons descendu comme ça. Vous avez descendu comme ça. Vous avez descendu comme ça. Oui, peut-être que tu as un peu de temps. Donc, on va suivre d'abord ça et on va revenir parce qu'il y a plein de fois qu'on a des phares. Il y a pour deux mois, on a des phares. Ah, super. Et au temps, on va juste après descendre. J'arrive super. Ouais. Et revoici l'honorable Ados Ndombassi dans sa tenue traditionnelle, dans un marathon effectué dans sa circonscription de la Funa, dont Bumbu, Silembao, Kalamu et Bandalunga, pour dire merci à sa base, pour avoir porté son choix sur lui à l'élection législative de décembre dernier et de l'avoir soutenu pendant les contentieux électoraux. Dans sa gibecière, il a apporté des kits scolaires pour sa base à quelques heures de la rentrée scolaire qui débute déjà ce lundi 10 septembre. Maman.
Ce geste ô combien louable a ému plus d'un parent qui a réussi ses kits scolaires. À leur tour, ils ont remercié Ados Ndombassi pour cette surprise et ont promis de continuer à les soutenir et à les porter dans leurs prières. Et c'est mon avis, c'est un macas, il faut ébeller, basali likambu, oote. Nzamba pambola, et pour yamouke, azoe bakozong et l'abisso. Ce qui nzamba pambolie, amati lissou, tu es bien te ban à l'abisso, pe, bako sepela. Toningine makambo aboye, nakatiambo, cannabis, et zala. Atkaniti lokola le 10 ébré, o bazala qui est pas yes, tout en lobby, que pesameli bango, moko azonga ki, koke neko remercier. Et za lokola papa nabisso ndombas, o akaniti lissou. Peuple, on va y aller comme ça, comme on a été le canama ponani. Yangwana, merci Penza, na papa Ndombassi. Premièrement, la personne en Zambie, merci. Pour Nzambe, ayoka ki losambo na biso ndenge honorable ayaki, afukamaki liboso na biso, to bondela ki pona epe Nzamba sali ke honorable zui, to moni honorable zongi susu na kata base, na signa reconnaissance, ayeko pesa biso bakaye, yango na pesi kaka merci, mosalo azo sala, a continue kaka, Nzamba monae, a sale la e susu. Allo bela biso sou na parlement point afin que biso pe to sepela tout le monde yango mukie mena miso nzambe eze bele po ba misu ba zwa ki pe ba zongi na ba base na bango ata ko pesa merci te mais biso pe to pamboli sou nzambe to pesa sou merci a continuer na musala na to ebi ke to kozwa sou koleka oyo nzana esengo komona lelo honorable Ados Ndombassi Banikina azongi lisusu na base nanga po era yaka alakaka ke akoya soki azui alobi yango pe aye baza mingi te ba député msusu balakaka bongo me bakendaka libela ba changea même ba résidence mais ye asali yango te azongi quand même. C'est aussi une occasion pour cet élu de la Founa de demander aux parents d'envoyer les enfants à l'école et d'insister sur l'importance afin de lutter contre la délinquance juvénile. Premièrement, c'était de dire merci. Merci aux habitants de Founa, merci aux habitants qui composent les 7 communes de Founa. Je pense à la commune de Bandal, la commune de Kalamoun, Giringir et Kassavubu, Bumbu Selimbao, Makala, qui ont voté massivement pour moi et aujourd'hui je les représente au niveau du Parlement. Il fallait dire un grand merci. Il était important de revenir à la base, dire un grand merci, rester en contact avec eux, mais parler aussi de mes ambitions dans 5 ans. Je veux être avec ma base, comprendre leurs problèmes pour les défendre valablement au niveau du Parlement. Donc c'était vraiment dire un grand merci aujourd'hui. Là nous sommes à Bandalungwa. J'ai une grande histoire avec la commune de Bandal. Mon souhait à moi aujourd'hui, c'est d'améliorer les conditions de vie de chaque citoyen bien sûr de Bandal, mais chaque citoyen bien sûr de Founa. Mais chaque Kinois, chaque Congolais, parce qu'aujourd'hui, je suis un député national. Donc, grand merci à Founa, grand merci, je serai avec eux, je garderai contact avec eux, je reviendrai prendre connaissance avec eux. Je serai avec eux. Je pense que l'éducation, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Sans éducation, on n'est rien. Vous avez vu le nombre de Kouluna que nous avons aujourd'hui en RDC, c'est anormal. Il faut impérativement demander aux mamans d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est vrai, nous sommes peut-être pauvres aujourd'hui, mais notre vie aussi peut changer, s'améliorer grâce à nos enfants. Donc il est aujourd'hui un impératif de demander aux enfants d'étudier, d'aller à l'école. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit geste, je me suis décidé de donner un kit à 3000 enfants. Donc j'ai circulé Makala, Bumbu, Selimbao, Kassavubu, bref, pour donner plus de 3000 kits qui permettront à 3000 enfants de rentrer bien sûr plus facilement à l'école. Pour boucler la boucle, Ados Ndombassi a promis de rester toujours à l'écoute de sa base et de faire entendre la voix de celle-ci à l'hémicycle du Parlement. Voilà, vous comprenez, Mikate va essayer de kende, ma camboza mikolo, anila zonga sus. Yo na sipam komanga ki. Alors c'est ça. Honorable, formation est dans l'importance. Formation est aussi un peu partie à culture, éducation, clé nango, ils appellent kotang. On a évité merci. C'est important. Oui, Ndegolama, c'est très important. C'est très important parce que tokena ki ko solliciter ba voix. Ma PCO, ma voix. Je pense qu'un merci est toujours important. Et pourquoi j'ai fait ce geste?
na wa ko sa pe lo ba tum susu ba ke na mo loso ba ke na mo soso mais Nathalie que omoni l'éducation et les qui soso éducation et les qui bière et les qui sucré ce qui nous atteigne lobby à cause à la capable à sa na chambre froide à cause à la capable à sa alimentation à cause à la capable à la DGA à la députée nationale à la ministre à la gouverneur en fait aujourd'hui il est important c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des difficultés financières c'est vrai qu'aujourd'hui tout ce qu'on lie à malamouté mais lobby moi nanayo akuiko bimisayo n'a pas si wana donc il faut pas faire une erreur c'est à dire que ozawana ozotika moi noa qui est classé c'est ça moi dans mon lobby azo comme akuluna yo pas si nayo ezala ok nous t'allais la prison makala là on a descendu on a tiré azo listré azo qui nous dava tout à fait azo yambayo on les a que ils na na makala na selema ou na bumbu na ngiringiri na bandal na lobby jakalamu voilà ça s'avoue donc bref na selivant toutes les sept communes il y a funa donc mon frère j'ai envie de faire encore beaucoup plus, mais nous sommes limités bien sûr par les moyens financiers. Mais la grosse, là tout à l'heure sur la longueur de l'émission, donc là ce qui est direct na Kauka. Aujourd'hui donc il Kabola Kota Kauka et puis même l'avenue Nanga na Kabola fourniture scolaire Lelo et puis je vais monter à Bandal pour clôturer et l'année prochaine Nzambasunga. Ce qui m'amoure moi les sous-marques c'est que les cas on pourra faire pour 10 000 enfants. Cette année là ils avaient 3 000 aujourd'hui dans comme à peu près 4 000 fournitures scolaires, 4 000 kits scolaires donnés à 4 000 enfants. Ça, c'est très bien. C'est, en fait, ils ont un mot mouqué. Mais la volonté, on a mais j'ai envie de faire plus. Mais nous avons un peu bon, pour l'artiste, c'est quoi? Pour tout le monde, c'est un artiste, c'est quoi? Parce que, pendant 40 ans, on a évité. Ah, et ils ont un rap, non? Beaucoup d'années qu'ils ont un balai. Vraiment. On aura. Pourquoi ça papa, 40 ans, il y a un souci. Il y a un souci. Quand ça a tout, tu as un défaut. Tout le monde a un défaut. C'est pas tout son. Ah, on va
Voilà, alors, Mangba, on a évité. Quand on voit, il y en a des FAO. C'est ça qu'on est émis. Et aussi, moi, la remerciement, on a tout besoin de soutenir, oui, 40 ans de délai. Vraiment, vraiment, vraiment. Je veux remercier d'abord Gilles Tsana, le grand producteur. Il y a des gens qui ont été en VDF. Après, c'est Paul Wanga, le métier noir. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire pour arriver à la maison et Coca-Cola. Donc, le grand producteur, c'est Malanga. Vraiment, je les remercie beaucoup. Mais en plus, tout ça, dans ma manifestation, je crois d'ici là, il y a PDG hier. Fondation, nous allons la Mandingi, papa social. Il y a une petite paye à Mandinga, à Zouinga, à Porto, à Yéla, à la Gisasa. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a deux minutes, tout ça, on a CCTV, chaque lundi, de lundi à vendredi. Public, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a bien. En plus, il y a un cri à Sika. Qui a gagné une photo sous ça? Qui a gagné Zali? Anakou Vimboko Tongolini. Et là, c'est Anakou Vim. Et puis, Natong. Covim à Natong. Ah, donc, dans la matinale? La matinale, eh. Na 8h15. 8h15, il ne faut pas vivre, madame. Na matinale. Na 2 minutes. Na, donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, na 8h15, pour l'anda. Yimoko, mettre le paille. Merci beaucoup. Pourquoi pas tout pour tomber à Souka? Parce que, merci, nous avons le balai de la français. Souka, ma paix. Bon, Pérezé Yeri, papa social, Moulangi, Nathalie Katambay, Nene Mbala, coach, Koko Soro, colonel Michel Mukamba, Nazo Yasuko, pour le bien fou. Général Kassou. Dans le système Asika, deux minutes. Très bien. Mais titre, il y a du bon mot. Il y a trois chansons. Titre, il y a titre, il y a un mot. Il y a un mot. Voilà, titre, il y a un mot. Merci. Alors, honorable, tout le monde, Asuka. Honorable. Merci beaucoup, merci. En tout cas, je tiens à te remercier. Merci à la grande équipe. Merci pour cette émission, merci pour ce cadre, merci pour transformer. Mais félicitations à l'honorable Jean-Jacques Mamba. Oui. Gazali. Je vais donner mon numéro de téléphone parce que je l'avais promis aussi que dans l'appel ça numéro dans un téléphone à chaque fois dans les cas. Mais c'est quand on appelle ça numéro de téléphone, ils appuient pour naïe bama comme Moïse Salama. Voilà pour na lobela. D'accord, défendre bango. Très bien. Des fois qu'on dit ça, que non, écoutez bon, érosion ils allient, courant ils attaient. Hein? Bref, Pablo moi n'ai pas là. Donc numéro de téléphone ils allient 099 11 972. Beaucoup mais la mini na WhatsApp. Ok. 099 11 972. Donc beaucoup mais la WhatsApp, na répondra toujours. 099 99 11 972. Ceux qui likamouezali à Kouluna, likamouezali à érosion, maille courant, je suis là pour vous défendre. N'arrête à parler moi, Anna. Merci beaucoup. Voilà, alors merci beaucoup Dos Ndombasi, merci Namangbaou, na Nyoso au Sali, et je crois que et pour la benza madame Mingi to koka ou kouta li soussou. Na Dos Ndombasi, na Mangbaou, pour na baptême au pied de la carte, la cadre culturel, pour la colonne toujours au culturel, parce qu'il y a des bosseaux. Alors, je crois que vous avez beaucoup apprécié l'intervention. Il y a député, monsieur le député, à Dos Ndombasi,
Nama Kanisia, Yemoko, Mangbao, Maître Pai. Déjà, lobby lundi, na outil 15 pour l'année, na CCTV, 2 minutes à Osekisa. Alors, ceux qui pourront vous contacter, vous pingez dans 089-61-52-134. Merci à Moron Djambé, la réalisation. Merci à Bruno Zinga, à l'exploitation. Merci à Jacques Wandinga Boisou, pour la radio, la régie d'antenne. Merci aussi à Irvin Kanima, rédiffusion mardi à 0h30 et sur YouTube. Doudou Montiri TV, abonnez-vous massivement. Doudou Montiri TV pour vous souhaiter pour l'Italie 4 à l'information. Ciao, merci Laura. Merci beaucoup, Charles.